on des chaises. On ne prête plus serment devant Dieu. Les pauvres ne prêtent pas les... Non, 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 non. Nous, magistrats, devant Dieu les hommes, je décide de bien servir les gens. Le jour où tu vas jouer, prends l'argent pour le servir, maladie va te prendre. Le médecin vient. Oui, le médecin. Tu s'en fous. Dieu des bouddhistes, on dit, viens prêter serment devant Dieu. Tu prêtes serment. Amen. Amen. Vous savez les choses qu'on ne joue pas? Faites porter spirituel. C'est-à-dire, Dieu, tu engages dans ton affaire. Dieu est l'homme dans ton affaire. Qu'est-ce qui a été fait sur toi, qui est frère et sorcier? C'est comme les maisons. Vous voyez les maisons là. Vous rentrez dans la maison comme ça. Vous savez quel esprit qui est dedans? Le Dieu la terre, vous savez qui c'est qu'il a mis sous la terre pour construire la maison. Il y a des maisons, tu prends, tu as tous les problèmes. Il y a des maisons, quand tu arrives, tu as tout le bonheur. Vous ne savez pas que vous, là, vous avez le pouvoir de libérer une maison. Amen. Quand je suis arrivé chez moi ici, là, j'ai consacré la maison. Et puis je suis allé parler sur la terre du quartier. Il dit, s'il y a épidémie, là, ça ne vient pas chez moi. Ah ben oui. Puis il vient dans le quartier. Je ne sais pas chez moi. Tu vois cette maison. Il faut aller loin. Il y a un loin ici. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu as dit à la terre? J'ai parlé. Donc quand il va y avoir épidémie, ça ne va pas venir chez moi. Ben, s'il y a épidémie chez moi, qu'il y a épidémie chez le voisin, ils ne vont pas croire la puissance de mon Dieu. Amen. Ben oui. Il dit, je mettrai une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Vous venez prenez une maison quand ça ne fait rien. Maintenant, quand c'est où il y a les problèmes, c'est là où vous appelez les hommes de Dieu, on va baisser, venir. Ce n'est pas au pays, ouais, quoi. Il fait. Des mois, il n'y a plus le coup. Ils sont déjà installés, ils ont déjà fait des enfants, des petits-enfants. Dans les deux logiques. Quelqu'un qui a déjà fait enfant. Sa femme est nourrice. Dans les deux logiques, il ne bouge pas. Quelqu'un qui a un bébé, même il ne sent pas. Mon enfant n'a pas encore eu 3 mois. Laisse-moi tranquille. Amen. Non, on ne prend pas une maison comme ça. Et c'est ça mon problème. C'est ça l'erreur. La négligence. La négligence, c'est la plus grande des maladies. Et c'est ça, nous, on aime négliger. On ne prend pas les choses au sérieux. Nous négligeons tout et c'est dangereux. La spiritualité, horreur de la négligence. Quand un homme dit, il fait, il faut faire. Vous commencez bien la prière, après ça, vous êtes négligé. J'ai prié, vous dormez. C'est là que le diable vous mange. Non, moi, je dors. Quand il est déjà 3 heures du matin, c'est comme quelque chose me réveille. Parce que je donne trop d'importance à la spiritualité. Si tu veux devenir grand, il faut être un homme spirituel. Il faut être connecté au ciel. Parce que la prière, c'est la connexion. Vous m'avez saisi. Vous échouez le combat parce que Dieu n'est pas avec vous dans le combat. Comment toi tu t'engages dans un point de voyage puis tu échoues? Parce que tu n'as pas associé Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais que Dieu ne peut pas marcher toi. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Alléluia. Amen. Il faut que quelque chose soit fait sur toi. Il faut que tu sois consacré. Amen. Tu sois un homme sacré. Et quand tu es consacré, tout le monde sait ça. Et quand tu passes, on dit, lui là, il est béni. Et c'est ça. Tu dois devenir le 5e évangile. Il y en a 4 évangiles. Toi, ta vie. Ce n'est pas question de dire non, je ne porte pas bout de rein, j'attache mes cheveux. Je suis Jésus, je suis Jésus. Le prophétise, je parle en langue. Lui, va. Fais sur toi. Non. Les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens, c'est bien. Il faut être tout le monde entier dans la famille. Sauf si, bim, si j'attache, tu. Il sent qu'on dirait Gagaoura. Tu t'attaches. Il faut être propre quand même. Il y a un mec sans, on est des moines. Je veux la tâche. C'est pas ça qu'a t'amener au ciel. Il ne faut pas bout de rien. Qui va venir te dire, madame, je veux de toi. Ah, il y a des choses qui peuvent attirer, non. Tu es ciré. Souvent, même les cheveux, mais se coupent ici. Tellement que foulage de rôle. Foulage de rôle. Et vous allez mourir ici, bande de vous. Il y a des choses qui doivent attirer un homme. Mais tu ne fais pas ton jeu. Et tu écris, on va venir te dire, s'il te plaît, hein, s'il te plaît. Je pas dedans. Alléluia. Rendez-vous propre, allez voir. Amen. Ça n'a pas menti. Amen. Aïe. J'ai dit, moi, je vais, je vais. Qui est bête?
On appelle ça les yeux. Bon Dieu a créé yeux. C'est la vérité. J'ai dit aux gens, mais toi-même là, tu vois pas ça, c'est couvert. C'est moi qui ai dit de dire. La paix de dire, c'est pas bon. J'ai chez ma bouche. Quand tu vois ça, c'est pas yeux de dire, tu as appelé pour bien. C'est la vérité, tu vois, dirais les gens, mais comment il a les yeux là ou les poids. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'elle peut faire sur toi pour te faire le diable? Tu dois avoir peur de ta maison parce que quelque chose a été fait là-bas. Ta maison est consacrée, qu'un démon vient, un sorcier, lui met le feu. Il y a l'impression qu'il y a le feu dans ta maison. Amen. Amen. Si tu veux voyager, il faut que ton voyage se soit préparé. Oui, quelqu'un qui. Un sorcier pas venir de tout, c'est pas possible. Faites de la rien faire. Tu veux faire un commerce, tout ça là. Il faut engager Dieu dans le commerce. C'est ce qu'il dit aux gens. Quand vous voulez faire commerce, allez faire une offrande à Dieu. C'est tout. Parce que c'est l'argent qui appelle l'argent. Je vous dis la vérité. Tu dis à Dieu, voici l'argent. Il m'a fait commerce. C'est ça les juifs. Vous voyez les juifs sont venus. Avant de commencer le commerce, je fais une offrande d'alliance à Dieu. Je fais offrande. On dit au commencement. Il a dû commencer avec Dieu. Il va te bénir. Alléluia. Amen. Mais tu tombes, ton commerce tombe, tu te plains. Sorcier est venu. Mais sorcier doit gâter ça. Parce que Dieu n'est pas dedans. C'est quand ça se gâte ou tout, tu penses que non. Mais Dieu n'a jamais été dedans. Oui, Dieu n'a jamais été dans ton affaire. Nous, c'est normal que le diable gâte. Ton voyage, Dieu n'a jamais été dedans. Marie, allez, père, et Dieu est dedans. Dieu n'est pas dedans. Non, c'est-à-dire, Dieu n'est pas dedans. Amen. Vous ne jouez pas la spiritualité, ne jouez pas ça. Mettez Dieu dans votre affaire. Si ça doit prendre 2 mois, 3 mois, préparer la chose très bien avant de commencer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne s'engage pas dans une affaire pour échouer? Non. Tu veux ceci? Qu'est-ce qui a été fait sur toi, tes frères le diable? Rien. Alléluia. Rien. Amen. C'est la consécration. Lui, vous voyez là, c'est tellement puissant. En pratique, chaque mois, la transition d'un mois à l'autre mois, vous devez verser vos têtes sur vous. Pourquoi? Et puis, allez parler à la terre. Vous allez parler à octobre. Octobre, moi, il ne doit pas avoir problème en octobre. Parce que la terre a des oreilles. Nos parents, comme connaissent ça, ils connaissent le mystère de la terre. La terre, ouais, là, ça a des oreilles. Tout ça, que quand quelqu'un, vos enfants, ne laissez pas les gens aller entraîner vos places à terre. Vous mettez le cordon, c'est tombé. Tout cela, c'est important. Quand un enfant naît, vous-même devez enterrer ça en donnant les paroles fortes. Vous dites le monsieur, l'enfant qui vient de naître là, s'il marche cette tête, il ne va pas avoir problème. Amen. Amen. C'est ça que vous devez, nous devons consacrer vos enfants à Dieu. C'est quel enfant tu as consacré, il est têtu, on est cadré. Quand tu le regardes, tu sais, il est cadré. À quand le matin, on partait à Saroko. Le gars était obligé de descendre pour chasser le cabri. Il dit, il faut descendre, bah, le cabri là, t'avais pas, mais il ne va pas quitter. On l'appelle Cabri, il oublie de descendre. Hé, hé, où est passé? Mais les enfants me sont têtus. Quand il y a là, il s'est venu là. Et Cabri, amen. Donc il y a des choses qu'on doit faire, des choses. On ne joue pas ça. La consécration. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons passer à ça tout à l'heure. Amen. Et dans la consécration, lorsqu'on reste de lui sur vous, ça annule en même temps toutes les programmations. Si la programmation s'annule. Tout à l'heure, ne jouez pas ça. Quand vous voyez un autre mois, vous voyez le 31, ne jouez pas ça. Quand il y a 31, il y a 30, vous devez passer un autre mois. Ne jouez pas ça. Vous négligez tout, peut-être que vous ne connaissez pas. Ne jouez pas. Quand il est 5 heures du matin, vous baignez, parlez à la terre. Au bout du mois, là, tu ne dois pas avoir des problèmes d'argent. Tu ne dois pas avoir de problème de santé. Tu ne dois pas avoir tant. Tu parles en versant de l'eau. C'est fini. Quand Marie va venir, la terre dit, il a déjà parlé. Il ne faut pas venir chez lui. Il faut me laisser tranquille. Si, bah, il t'a parlé. Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, frère, c'est ça. Vous négligez tout. Vous parlez. Parce que c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Ne jouez pas ça. Tu as crié à l'image de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit, Élie était de la même nature que nous. Il a parlé, le ciel a fermé le ciel. Le ciel s'est fermé. Il n'a pas dit Seigneur, le ciel. Non, il a fermé le ciel. C'est tout. Je suis allé doucement avec vous. Ils ont montré des choses spirituelles. Celui qui va faire à toi. Ah!
Amen. Amen. Comment tu as un projet et puis tu échoues dedans. Je vais te montrer. Quand vous avez un projet, vous connaissez le nom de monsieur qui doit prendre votre dossier. Cherchez son nom seulement, c'est tout. Vous prenez 3 jours. Quand il est 1h du matin, parlez à son cœur. Amen. C'est pas sorcellerie. Yes. Si ton cœur t'accepte, le cœur, c'est le cœur qui accepte. Amen. Amen. Et toi, tu as ce pouvoir. On est le Saint-Esprit convainc. Toi, tu as le Saint-Esprit. Tu envoies le Saint-Esprit derrière dans son cœur. Vous disposez derrière son cœur. Quand tu prions, le Saint-Esprit vient derrière. Mais tu l'as dit, hey, le monsieur qui est là-bas, là, il ne veut pas le voir. Je ne veux pas le voir. Les sorciers du village peuvent le travailler. Vous savez pas que c'est la nuit, on lit les choses. Tout se passe dans la nuit. Pendant qu'il dort, toi qui travailles. C'est la force du diable. Vous savez pas que c'est la nuit qui fait le jour. C'est ça qui a parlé de nuit, on dit qu'une heure du matin, l'horloge, la montre change. Ça prend l'heure du jour. Ça a déjà commencé. C'est ça que quand tu commences déjà à prier là, tu rêves beaucoup de choses. Ils ont ce pouvoir. Nous, les prophètes, là, c'est nous qui devons enseigner ça. Amen. 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 Je dis amen. Amen. Vous êtes d'après moi. Amen. C'est pour ça que les sorciers vous mangent. Parce qu'à partir de 1h du matin, 1h. Tout s'est réglé à partir de l'heure. Le monsieur assis, tu parles. C'est comme si tu avais parlé. Ce monsieur-là, lorsqu'il a monté, qu'il ne dise pas non. C'est pas sorcellerie. Amen. Tu l'as déjà préparé son cœur. Plus il a commencé à te chercher. Puis il dit, mais j'ai envie, il ne sait pas. Moi, je n'allais pas mon cadet, je l'ai connu, le cadet, je sais. Mon régime de commerce. À Gagnoua, non. Il a dit, ça prend 7 jours. Mais il ne sait pas, j'ai envie de payer. Mais je suis étonné. Bah, il a dit. Il dit quand il va me voir, hein, il va prendre ça tout de suite. Amen. Et vous ne croyez pas. Qu'est-ce que tu as commencé à sourire moi dans ta paix? C'est bien signe. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu fais? Ça prend ça. Hein? Mais vraiment, je ne sais pas, il a envie de t'aider. Entends dans la nuit, il y a un qui a attaché son cœur. Amen. Mais est-ce qu'il y a mal à vous? Combien? Quand on est en avion, on a attaché, file-moi, la Bible dit tout ce que tu lis, c'est pas lié. Hein? Dévier son cœur. Plus il y a d'autres choses dans la pensée. Il dit, moi, si on n'a qu'à prendre les affaires. Il me voit, il sourit. Il est content. Et moi, je vais le regarder. J'ai déjà fait quelque chose, va pas. Vous ne savez pas ce qu'il y a en vous. C'est trop puissant. Vous jouez ça. Non, Seigneur Jésus, il n'a qu'à te prier. C'est pas fait le Seigneur Jésus. Prends le cœur du péché. Dis ça. Et tout ce que vous liez sera lié. Amen. Amen. Même ton mari, il peut le gérer ça. Il dit pas amen. Amen. Vous voyez là? Amen. Le jour s'est trompé, il ne s'abandonne plus. Excusez-moi. Ça ne s'élève plus. C'est la vérité. Amen. Si ça s'élève, il va faire. Aïe, vous voyez ça, mais je vois une amie, c'est là, il va faire. Oh, je vous ai dit, venez, Seigneur, mon mari, mais tant, Seigneur, Jésus, je le veux. C'est pas si ça s'élève. Verse lui, sur lui, où est dans le matelas, verse. Oui, mais. Il n'a pas eu de donner un secret ici. Courage, papa. Quand il a voit même là, ça. Lui, mais il ne sait pas pourquoi, mais rien. C'est pour toi, là, ça va. Il ne va pas rester à la maison. Il va rester. Tu es devenu, depuis qu'il est allé prendre maladie, tu es venu te donner. Il est malade ou bien. Pas des jeux. Vous voyez que lié, là, ça démon sur moi. Et quand il voit des mots, lié. Lui, là, pour le lier. Amen. Aïe, lis ça. Maintenant, pour les femmes, c'est coller. Il m'a trompé, coller là-bas. Je suis venu t'attraper. Ah, j'ai vu ça sur Internet, le net, en Tanzanie, un truc comme ça. Il y a collé. J'ai vu ça sur Internet. On m'a attrapé. Elle ne peut pas parler. Vous dites non, c'est faux. Vous ne savez pas. Amen. Nous avons le pouvoir. Quand Jésus dit que vous recevez puissant, ce n'est pas parler chasser des monstres. Amen. C'est pour posséder les choses. C'est pour posséder les choses. Alléluia. Amen. À partir de 5h du matin, nous avons parlé de l'aurore. Nous sommes des enseignants. À partir de 4h, tout ça.
Vous commencez déjà à reprendre le psaume 23. Si vous commencez déjà 7 fois le psaume 23 par là, l'Éternel m'ouvrira, je ne m'en guérirai pas, je ne m'en guérirai pas sur le futur, le présent. Vous n'allez jamais manquer d'argent. Moi, je n'ai pas le problème d'argent. Quand il y a un problème, ça vient. Là, il règle ça. Et puis, quand il va sortir de ma chambre, je lui dis, ma poche doit être remplie d'argent. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu seras possédé. Vous savez pas ça? Le youth n'a pas l'argent, tu es là comme ça. Tu parles sur pépépé. Pépé, tu es là. Les gens, ils parlent sur. Je suis déjà sûr. Tu es là quoi? Je ne sais pas, mais. Vous m'énervez. Qui est propriétaire de l'art et l'argent? Dieu. N'est pas dans papa. Ah! Je lui ai dit, débrouille-toi, comment ça va venir? Moi, ça ne m'intéresse pas, mais ça doit venir dans ma bouche. Amen. Tu es obligé d'envoyer. Alléluia. Amen. Hachem est mon berger. Hachem, en hébreu, ça veut dire l'Éternel. Jésus n'a jamais été douloureux. Il n'a jamais été bêté. C'est un hébreu. Hébreu, ça veut dire connexion. La définition de hébreu, ça veut dire celui connecté à Dieu. Il y a des choses que vous avez besoin de connaître. Amen. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses à Jésus. Que les gens, ce peuple, connaissent beaucoup de choses. Non, ils maîtrisent les choses. Amen. Hachem, je dis Éternel. Je ne parle ton français, Dieu n'est pas dans ça. Souvent. Amen. Il arriverait des choses où je vais donner le nom de Dieu en hébreu pour régler beaucoup de choses. Je suis là pour ça. Amen. Amen. Ton commerce doit marcher. Amen. C'est clair. Les choses doivent marcher. Pour toi, là, ça doit marcher. Mais c'est parce que tu n'as pas la révélation. Comment ça va marcher? C'est tout. Ou tu échoues les choses. Sinon, ça doit marcher. Alléluia. Amen. À 5h du matin, il faut commencer à parler. Hachem est mon berger, je ne manque de rien, me fait reposer dans des verts pâturages, me délivre les autres pays, qui restaure, me conduit dans la sortie de la justice à cause de son nom. Même quand il marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car Hachem est avec moi. Ta houlette tombe à toi, mes rassures. Tu dresses devant moi une table en forme de j'essaie. Tu moins vu ma tête, ma cour devant de lui. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et quand tu réponds à chaque fois, le bonheur veut t'attacher à toi. Les douleurs, ouais, les libanais. Il y a l'Ancien Testament dans le Coran. Quand les chapelets font les chapelets, sur le saut 23, le soir, ils ramassent bien, puis va verser ça en bac. Si tu dis, je suis un homme riche. Et je vous donne un secret. Avant de vous lever du lit, quand vous levez du lit, hein, quand tu sais, tu respires, mets ta main sur ta tête, tu dis, je ne mourrai pas pauvre. La première parole, tu dis, c'est le semeur sème la parole. Amen. Amen. La parole est une semence. Prenons Marc 4, verset 14, je crois. Marc 4, verset 14. La parole est une semence. Amen. Le semeur sème la parole. Il dit le semeur sème la parole. Les uns sont les nôtres. Oui, et le semeur, c'est pas un semeur. Dieu a pris pas pour créer l'homme. La terre, on ne peut pas chercher loin. C'est la poussière. La terre. La terre fait pour qu'on mette des semences dedans. Toi, tu es terre. Il faut mettre des semences. Il veut que vous ayez des semences dedans. Quand on met la semence, on est patient. Doucement, doucement, tout ça commence à germer. Puis ça produit des mains. Quelle est la semence qui est dans la terre? Quelle est la semence? Vous êtes là, notre père qui est dans le ciel, ça n'apporte rien. Il y a les prières, pour s'aimer une parole dans ta vie. Tu te dis, tu n'es jamais mouru pauvre, tu ne mourras jamais pauvre. Tu te dis, tu déclasses ta vie, là, c'est ce qui va t'arriver. Moi, je ne vais pas jamais mourir d'une maladie, tu ne vas jamais mourir d'une maladie. Parce que pourquoi? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu, selon le versement de Dieu. Et quand Dieu voulait créer les choses, il a utilisé la parole. C'est tout. C'est la parole. Eh, moi, je suis foutu, et c'est fini, t'as perdu le combat. Tu t'as prononcé cette parole, c'est foutu. Je sais, moi, j'ai dit, aujourd'hui, là, c'est une journée de prière.
toujours, ce qu'il dit toujours. Vous savez, quand vous voyez une journée déclarer quelque chose, là, parlez au jour. La journée là, parlez. Si y a un malheur, mais ça il dit aux gens, il dit aux jour. Les gens bizarres là, faut l'enlever devant moi. Je ne veux pas avoir quelqu'un qui vient m'annoncer une bonne nouvelle. Non, 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 non. Je veux les gens de bonne nouvelle. Parce que moi j'annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? C'est une école. Je vous ai déjà parlé de l'aurore. À partir de 4h du matin, si tu n'as pas prié à 4h, tu as raté ta journée. Celui qui ne prie pas à 4h, vous voyez, non, Allah. C'est 4h. Dans quelle école? 4h. Non, 4h. Vous êtes dedans. Depuis le jour, il sait ce qu'il y a dedans. Vous dites que non, il tue les gens. Non. Dans le mystère de l'aurore. Psaume 119, le verset 147. Il y a les heures de prière. Il y a les heures. Quand tu commences à prier, l'aurore, c'est la transition. Ce qui fait la transition le jour et la nuit. Passation des services. 119, le verset 147. Je dévance l'aurore. Il dit, je dévance l'aurore. Et j'écris. Et j'écris. J'espère à tes promesses. Très bien, vous allez dévancer l'aurore, c'est précéder l'aurore. Pourtant, l'aurore, c'est à partir de 4 heures. C'est ce qui fait la transition le jour et la nuit. La nuit, les gens travaillent. Vous allez sortir, ils travaillent, pas maman, ils travaillent. Zali va mourir, on a programmé à 7 heures du matin. Hein? Il va voir le sujet. L'aurore marche avec ça. Et la nuit marche avec ça. Puis, il remet ça à l'aurore. Comme toi, tu n'es pas, levé pour annuler ça. Ok? L'aurore, il prend, il dit, ah, le jour. On a dit que Zali va mourir à 7 heures. Donc, vas-y. Puis sa vie meurt. Toi, tu es le déprogrammateur. Dis amen. Amen. Hey, programme, toi, tu viens de déprogrammer. Amen. Tu ronfles des chiens. T'as déjà, moi, c'est comme orchestre. La batterie, des temps, il y a piano, il y a flûte. Encore, derrière moi, il monte comme ça. Dormir, sorcier bien les gens comme ça. L'aurore, tout se décide là. Tout se décide. Allons sur Job 32, le verset 12. Vous allez comprendre. Vous dormez 32. Hein? 38 plutôt. 38 le verset 12, n'est-ce pas? Le psaume 38, le verset. Le Job. Job 38, le verset 12. Écoutez très bien. Depuis que tu existes. Il dit depuis que toi tu existes. As-tu commandé au matin? Est-ce que tu as parlé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que tu as montré la place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse l'extrémité de la terre. Saisisse. Amen. Amen. Est-ce que tu as parlé à l'aurore? Tu n'as rien dit à l'aurore. Mais pourquoi tu es donné? Tu te plains. La Bible dit si tu n'arrives pas à parler. Tu te plains. Est-ce que tu n'arrives pas à parler? C'est la parole. Amen. Si vous dormez, après 4 heures, c'est plus la peine. Non, non, c'est plus la peine. C'est qui t'en est, c'est la comédie. C'est l'aurore est partie, et ça. L'aurore a donné son jour. Sinon, priez comme les gars. Hein? Je suis à la gagne ou à Tabaski. Pour les fermer. Hein? Le commerce est fermé. Les gens sont assis sur le commerce. Parce qu'ils